Bon, voyons un peu ce qui se passe sur le net. Les vacances sur la plage, que du bonheur! Bronzette au soleil, bisous à tous! Wouah! Notre hôtel a même des échantillons gel douche! Trop la classe! Rah, gros coup de soleil, mes vacances sont gâchées! J'aime. Ah tiens, salut! Bienvenue dans le labo. Aujourd'hui, on va parler de thermodynamique. La chaleur est parfois une denrée rare, parfois quelque chose de franchement insupportable. Tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez sur la planète, ainsi que l'époque de l'année. On va essayer de parler de ce sujet brûlant et d'en extraire quelques principes. La thermodynamique, c'est l'art d'étudier les niveaux de chaleur dans un système. Par système, on entend par exemple un morceau de métal que l'on veut chauffer à blanc. Dans la mesure où l'on considère que la chaleur est une forme d'énergie, il est normal de chercher à la maîtriser. On mesure la température en degrés, généralement des degrés Celsius et parfois des degrés Fahrenheit. La première unité est surtout utilisée, disons dans le monde entier, puisque le Fahrenheit n'est utilisé que aux États-Unis. Regardez un peu comment ces gens-là veulent faire les malins. L'échelle des degrés Celsius est basée sur les changements d'état de l'eau. On appelle 0 degré l'instant où la glace se transforme en eau liquide et 100 degrés l'instant où l'eau liquide se transforme en vapeur. Les degrés Celsius laissent place aux degrés Kelvin dans les applications scientifiques. Dans ce cas-là, 0 degré Kelvin correspond à moins 273,15 degrés Celsius. On estime que 0 Kelvin est la température la plus basse que l'on peut atteindre. On parle du zéro absolu. Convertir des degrés Celsius en degrés Kelvin est extrêmement simple. Il suffit de retrancher 273,15 à la température en degrés Celsius. Pour parler de quantité d'énergie thermique dans un système, il faut connaître à la fois sa température et son volume. Chaque matériau dispose de ce que l'on appelle une inertie thermique, c'est-à-dire la quantité d'énergie thermique qu'il va devoir emmagasiner pour élever sa température d'un certain nombre de degrés. Comme unité, on utilisera la calorie ou le joule. Une calorie correspond à la quantité d'énergie thermique qu'il faut fournir à 1 g, soit 1 ml d'eau, pour que sa température s'élève de 1 degré Celsius. Une calorie étant égale à 4,2 joules. On utilise les joules plus couramment dans l'électronique de puissance ainsi que pour les alimentations électriques. Pour ce qui est des gaz, on utilise un modèle très simple à utiliser que l'on appelle la loi des gaz parfaits, d'Amedeo Avogadro. Soit la pression multipliée par le volume est égale à la quantité de matière fois une constante, fois la température. C'est-à-dire que pour un volume de gaz donné, en augmentant sa température, on va en augmenter la pression. C'est comme ça que fonctionnent les moteurs à explosion, mais nous le verrons plus tard. Commençons notre bref historique. On pourrait parler de toutes les petites découvertes faites par l'un ou l'autre personnage de l'histoire, mais cela ne serait pas très pertinent. Nous allons donc nous concentrer sur les pères de la thermodynamique. On va démarrer avec le Suisse Daniel Bernoulli et sa théorie cinétique des gaz, qu'il a publiée au XVIIIe siècle. C'est à lui que l'on doit le principe de conservation de l'énergie. Il a aussi découvert un lien entre l'agitation des gaz qui est directement dépendant de la pression et de la température. Thomas Newcomen, un mécanicien britannique, proposa en 1712, avec Thomas Savery, une première machine qui tentera de créer un mouvement à partir d'eau et de chaleur. On a ici une première tentative de machine à vapeur. On augmente la température, ce qui augmente la pression et donc fait bouger le piston. En 1761, Joseph Black, un autre Britannique, réussit à démontrer que la glace ne change pas de température pendant qu'elle fond, c'est-à-dire pendant qu'elle passe de l'état solide à l'état liquide. Ce phénomène, qui est relativement contre-intuitif, sera appelé chaleur latente, car elle ne contribue que au changement d'état et pas au changement de température. L'Écossais James Watt propose en 1765 une nouvelle méthode pour créer une machine à vapeur, basée sur la machine de Newcomen. Avec l'utilisation d'un condensateur séparé,
on a un gain de performance très important. Avec ses avancées, il va même proposer la première locomotive à vapeur quelques années plus tard. Après ces quelques éléments historiques, parlons des applications modernes de la thermodynamique. Contrôler l'énergie thermique est un grand défi. Néanmoins, au travers des siècles, on a créé un certain nombre de machines qui étaient capables de l'exploiter au mieux. Le moteur à explosion, qu'il soit diesel ou essence, exploite la loi des gaz parfaits, de manière à vous permettre de vous déplacer facilement et rapidement. On injecte du mélange de carburant et d'air frais dans un cylindre. Le piston, en montant, va compresser ce mélange. Une fois arrivé au niveau de compression maximale, le mélange va brûler rapidement, augmentant la température du faible volume et donc sa pression interne. C'est cette augmentation de pression qui va faire descendre le piston et donc faire tourner le vilebrequin. Tout cela se déroule plusieurs milliers de fois à la minute. Un autre exemple, pour chauffer une maison, on peut utiliser une pompe à chaleur. Le principe est qu'un système de conduit soutenu par une petite pompe arrive à modifier la pression d'un fluide qui transporte la chaleur en parcourant les différentes parties du circuit. On joue ensuite sur les changements d'état du fluide, c'est-à-dire de liquide à gazeux, et inversement pour récupérer la chaleur latente. Concrètement, la pompe à chaleur récupère de l'énergie thermique dans le sol en faisant évaporer le fluide caloporteur dans le circuit. À la maison, le fluide passe par ce qu'on pourrait appeler un condensateur pour retrouver son état liquide. Sous forme liquide, on peut facilement libérer de l'énergie à l'endroit souhaité. On utilise à peu près le même système sur les réfrigérateurs, sauf que le but est bien évidemment de faire sortir la chaleur, ce qui est aussi possible sur les pompes à chaleur dites réversibles. Je passe sur énormément de détails quant aux différents modèles utilisés en thermodynamique parce que 1. Ils sont extrêmement nombreux et 2. On les verra une autre fois. Cependant, retenez bien les trois principes de la thermodynamique. Il y a aussi un principe zéro. Rappelons la propriété de transitivité. Si A égale B et que B égale C, alors A égale C. Excepté donc ce principe, les trois principes qui nous intéressent sont loi numéro 1. Attends voir. Tu es qui ? Je suis tout. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Comment ça ? Hydrogène et Laurentium ? Enfin bon, à la limite, ça, on s'en fout. Tu peux le refaire, du coup. Loi numéro 1. La conservation de l'énergie. En clair, l'énergie ne se crée pas et ne disparaît pas comme par magie. Elle provient de quelque part ou elle va quelque part. Loi numéro 2. Le principe d'entropie. Pour faire simple, l'entropie désigne un niveau de désordre. Exemple, quand la glace fond, d'abord les molécules sont relativement peu mobiles, puis elles deviennent extrêmement mobiles, ce qui fait qu'on a un liquide. Autre exemple, vous avez déjà remarqué que le sucre fond beaucoup plus facilement dans une boisson chaude que dans une boisson froide. Eh bien, c'est grâce à l'entropie. Loi numéro 3. Le principe de Nernst. Pour faire simple, si un steak sort de votre congélateur, ça ne signifie pas qu'il est devenu vivant et qu'il a récupéré sa liberté, il est seulement possédé par l'esprit de votre petit frère. Car le feu qui me brûle est aussi celui qui m'éclaire. Étienne de la Boétie. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à partager, à rejoindre le groupe sur Facebook ou sur Twitter, ou même à visiter mon blog. Ce fut donc la dernière vidéo de la première partie des vidéos que je présenterai sur cette chaîne. Je vous ferai part un peu plus tard des projets relatifs à cette chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Restez curieux.